Rapatriement de la dépouille mortelle du colonel Ouattara à Abidjan, voici tous les détails. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Décédé le dimanche 5 janvier dernier à New York aux États-Unis, la dépouille mortelle du colonel-major ivoirien Issiaka Ouattara, dit Ouattara, devrait être rapatriée à Abidjan le 2 février 2020. Le programme officiel des obsèques du colonel-major Issiaka Ouattara indique le dimanche 2 février 2020 pour l'arrivée et l'accueil de la dépouille mortelle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, au port Bouët, dans le sud d'Abidjan. Le mercredi 5 février 2020, soit 3 jours après le rapatriement du corps, il est prévu la levée du corps à Ivoceb Crècheville, suivie d'une veillée hommage à Abidjan. Le lendemain, le 6 février 2020, a lieu le transfert de la dépouille au village du défunt, à Doropo, plus une veillée hommage. Quant à l'inhumation, elle aura lieu dans l'intimité familiale au cimetière de Doropo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, sa terre natale, le vendredi 7 février 2020, mentionne le programme officiel des obsèques du colonel Ouattara.